Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau test de jeu rétro, et cette fois-ci on va s'intéresser tout de suite à quasiment mais à du classique si je puis dire. Et cette fois-ci on va s'intéresser tout de suite à FIFA 74 ou FIFA premier du nom sur N64. Et vous l'aurez compris, il s'agit quasiment du tout premier jeu FIFA. Et cette fois-ci, on va pas, bon, alors, cette fois-ci, on va pas perdre de temps, on va s'intéresser tout de suite à un petit match amical des familles. L'affiche du match, c'est la France qui est opposée à l'équipe nationale de Bolivie. Alors la France qui joue en bleu face à eux, l'équipe nationale bolivienne qui joue en vert. Et d'ailleurs, c'est la première. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que. C'est la première fois que je lance un match amical de ce type parce que les Français et les Boliviens ne se sont jamais rencontrés. Ils ont souvent rencontré des équipes sud-américaines, mais les seules équipes américaines que la France n'a jamais affrontées, c'était, si je dis pas de conneries, c'est la Bolivie, l'Équateur et le Venezuela. Hein. Mais bon. Bon, évidemment, comme c'est un match classique, on passe, c'est quasiment dans les tout premiers jeux FIFA. Bref, c'est du moderne, du moderne, du moderne, du moderne. Alors, pour l'instant, il y a une touche pour les Boliviens, récupérée par les Français. Allez, c'est parti, Sanchez qui passe à Griezmann. Là, Asprio, récupéré de la part des Boliviens, pardon, je vais dire brésiliens, alors que c'est pas du tout l'équipe nationale du Brésil, autant pour moi. Allez, c'est reparti, attention, esquive, non, ça. Alors, on continue. Ah, Mbappé qui. Ah, non, il passe, ah oui, il passe, oui, il passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, on continue. On continue, allez, oui. Est-ce que. Non, dommage! Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. J'aurais préféré qu'il puisse marquer et ouvrir le score, mais non. Mais c'est pas fini, parce que là, les Boliviens, on les connaît. On les a déjà vus à l'œuvre au cours du Mondial 1994. Bon, d'accord, ils ont pas. Ils ont un petit peu merdé, mais bon, au moins, ils ont donné le meilleur de eux-mêmes. Bien, la Bolivie s'est plus jamais qualifiée à une Coupe du Monde. La dernière fois qu'on les a vus en Coupe du Monde, c'était en 1994 aux États-Unis. Allez, on continue. Et touche! Touche pour les Français. Allez! Voilà, attention, Griezmann, il passe, est-ce que. Non, dommage! Oh, c'était. Oh, elle était bien, mais son succès malencontreusement. Allez, on continue. Oui, allez, c'est parti. Le ballon est de nouveau pour. Pour les Boliviens, mais c'est sans compter sur la sortie du ballon. Touche pour les Français. Allez, on perd pas de temps, cher monsieur. Oui, voilà, récupéré par les Boliviens. Hein. Et c'est justement à la fin donc, de cette première mi-temps. Et ben 0-0 entre les deux équipes. Mais bon, rien n'est encore joué. Il nous reste encore la deuxième mi-temps. Donc on va pas perdre de temps. On va s'intéresser tout de suite à la deuxième mi-temps de ce match. Mais d'abord, on va se séparer un petit moment pour une petite page de pub. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce match. Ici, c'est Denis. À vous, Paris! Nous sommes de retour ici au stade de Saint-Denis pour suivre la deuxième mi-temps de ce match. Ma foi, c'est passionnant, même s'il allait pas l'être entre la France et la Bolivie. Et là, pour le moment, les deux équipes sont à égalité, 0-0. Les Bleus, non, encore raté. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça va, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Ça va venir, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et une nouvelle touche pour l'équipe de France. Bon, sinon, mis à part ça, je trouve le jeu, ma foi, assez original, ça va, il est bien, limite potable. Allez, on continue. Là, de nouveau pour l'équipe de France. Est-ce que ça va passer? Non, encore raté. Ça va venir, je sais pas pourquoi, mais je suis persuadé, je suis sûr qu'ils vont marquer. Attention, parce que là, pour l'instant, l'équipe de France a de nouveau le ballon, mais récupéré par les Boliviens. Asprio. Asprio. Bah tu lui dis, voilà, il passe, ah, encore une touche, et cette fois-ci pour les Boliviens, récupéré par Lopez, Asprio, Asprio, Chiche, Chavez, alors repris par les Français cette fois-ci, il passe, oui, et ouverture du score de l'équipe de France, juste avant la fin de ce match. Oh, elle était bien cette tête, elle était bien cette tête. Oh, elle arrive juste à temps celle-là. Elle arrive juste à temps.
Et ce qui fait un total de 1-0 pour l'équipe de France. Et c'est terminé. Et victoire. Belle victoire de l'équipe de France qui bat cette solide équipe nationale de Bolivie. Qui a quand même lutté jusqu'au bout. Oh les gens, et cette fois-ci, on va s'intéresser tout de suite à un autre match que j'ai essayé de choisir un petit peu au hasard avec le nombre d'équipes que j'ai... je ne savais pas trop quoi prendre. Et donc, on va s'intéresser tout de suite à une petite rencontre 100% asiatico-pacifique, enfin Asie-Pacifique si je puis dire, entre l'équipe de la Nouvelle-Zélande et l'équipe nationale du Singapour. Alors, pour différencier les deux équipes, alors les Néo-Zélandais jouent en blanc, face à eux, l'équipe nationale du Singapour qui joue en bleu. Et là pour l'instant c'est l'équipe... Oh attention! Ah là là là, attention parce que là les joueurs du Singapour sont un petit peu à... comment ça s'appelle? Un petit... Oh là, attention! Et c'est le but! Alors là j'y m'y attendais absolument pas! Et ouverture du score de l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande qui ouvre le score! Alors là c'est vraiment ce qu'on peut appeler un véritable hold-up. Franchement, personne ne s'y attendait. Et ce qui fait un total de 1-0 pour les Néo-Zélandais qui ouvrent le score 1-0 face au Singapour. Et c'est justement à la fin donc de cette première mi-temps. Et bien une première mi-temps, ma foi, assez rapide, certes, mais qui a quand même tenu ses promesses. En tout cas, ce qui permet donc à l'équipe de la Nouvelle-Zélande qui de mener 1-0 face à l'équipe nationale de Singapour. On se sépare un petit moment pour une petite page de pub et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce match. Ici, Auckland, en Nouvelle-Zélande, à Opari. Nous sommes de retour ici à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour suivre la deuxième mi-temps de ce match. Ma foi, pas très passionnant, certes, mais bon, au moins aussi, assez agréable à regarder, à savoir l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande qui met nos scores 1-0 face à l'équipe nationale du Singapour. Et pour l'instant, les Kiwis mènent la danse. Curry. Dawson. Dawson. Oui! Et deuxième but marqué. Excusez-moi, je me suis un petit peu étouffé, je suis désolé, c'est l'émotion. Et nouveau but marqué de la part de l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande. But signé Jacobs. Et c'est justement à la fin donc de ce match. Et bien victoire, belle victoire donc de l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande qui remporte ma foi sur une victoire assez facile, 2-0 face à l'équipe de Singapour. Mais restez avec nous, on va s'intéresser tout de suite à un dernier petit match. Et ensuite on va clore ce test. Alors donc restez avec nous, vous allez vous régaler hein. En tout cas, belle victoire donc de l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande qui l'emporte 2-0 face à Singapour. Donc j'espère que on se retrouve un petit moment pour une petite page de pub. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps de match. Ici Auckland en Nouvelle-Zélande, à Opari. Nous sommes de retour une nouvelle fois et cette fois-ci on va s'intéresser tout de suite à un match 100% américain, cette fois-ci entre l'équipe nationale américaine qui est opposée à l'équipe nationale du Chili. Alors les Américains jouent en blanc à rayures bleues, face à eux les Chiliens qui jouent en jaune doré. Je ne savais pas que le maillot de l'équipe nationale chilienne était de couleur dorée plutôt que rouge, bleu et blanc. Ouais, je sais pas pourquoi ils portent alors que c'est pas ils portent ce genre de couleur alors que c'est pas la couleur de leur maillot traditionnel. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, on va dire qu'on a rien vu. Allez, c'est parti. Donc c'est parti pour ce match 100% américain qui oppose les États-Unis à Tessou là et à l'équipe nationale chilienne. Ouais, c'est un peu un choc Amérique du Nord, Amérique du Sud si je puis dire. Allez. Oui, récupéré par... c'était récupéré par Johnson, mais l'arbitre a sifflé la fin donc de cette première mi-temps de ce match. On se sépare un petit moment pour une petite page de pub et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce match. Ici, Atlanta, en Géorgie, dans l'état de Géorgie, à Opari. Nous sommes de retour ici à Atlanta, dans l'état de Géorgie, pour suivre à la deuxième mi-temps de ce match qui oppose, je vous le rappelle, les États-Unis face à l'équipe nationale du Chili.
Et pour l'instant, pas de but marqué dans les deux camps. Mais bon, on va quand même suivre jusqu'au bout. C'est passionnant. Allez, c'est parti. Est-ce que... Non, oui, attention, attention, attention. Oui, attention, parce que là, pour l'instant, les Américains attaquent. Mais c'est ça, mais les Chiliens contre-attaquent aussi. Attention, Carreiro. Carreiro. Ah, oui, Lopez. 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 Attention, c'est Stewart qui a capté le ballon. Et touche. Touche pour les Chiliens. Allez, on continue. Allez, il va faire une passe. Allez, on voit le ballon. Voilà. Ah, oula, attention, parce que là, il y a un joueur américain qui a capté le ballon, mais qui a capté le ballon assez fort. C'était Brown. Allez, on continue. Carrero Fuentes. Zapata, Stewart, 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 qui passe à Wilson, Wilson, et petite passe, non, dommage! Stewart, Zalaieta, et c'est justement la fin donc, de ce match, mais restez avec nous, on va quand même suivre les séances de tir au but, parce que la séance de tir au but, c'est quand même passionnant. Donc, on se sépare un petit moment pour une page de pub, et on se retrouve tout de suite pour la séance de tir au but. Re les gens, et comme promis, on va s'intéresser tout de suite à la séance de tir au but, puisque aucune des deux équipes n'a marqué le moindre but. Donc c'est parti pour cette séance. Et c'est voilà, donc ouverture du score des Chiliens. Voilà, ok, c'est parfait. Donc 1-0 donc. Mais c'est pas fini, parce que là, on va voir si les Américains arrivent à remonter au score. Oh, joli! Oh là là! Oui, il était beau celui-là, il était beau, il était beau, hein. Donc, un partout donc entre le Chili et les États-Unis, autour des Chiliens. Allez. Et oh, dommage, c'est raté. Oh là là, c'était Carrero qui a essayé de marquer, mais il l'a manqué. C'est dommage. Allez, autour des USA. Oh, raté aussi. Oh là 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 là. Allez, autour de Zalaieta, du côté chilien. Et but. Voilà. Et 2 à 1 donc. Allez, autour des Américains. La petite passe. Oui, ça passe. Nouvelle égalisation américaine. Allez, on va continuer, on va continuer, on va continuer. Allez, Lopez, du côté chinois, c'est raté. Il a arrêté, stoppé par le gardien américain. Ce qui fait... Attention, parce que les Américains peuvent encore reprendre le dessus. Oui, GG. Allez, c'est peut-être la dernière chance des Chiliens de remonter au score. USA 3, Chili 0, 2, pardon. Et non, et c'est terminé! Et c'est terminé! Et victoire! Et ben, belle victoire donc des Américains qui l'emportent, mais sur le fil au tir au but, face à une impressionnante équipe nationale du Chili. Bon, qui a donné tout ce qu'elle pouvait, mais bon, au moins ils ont fait de leur mieux. Donc, en tout cas, victoire donc des Américains qui l'emportent 3 à 2 au tir au but. Enfin, il y avait 0-0, mais ils ont emporté. Le match sur tir au but. Voilà donc, bah, GG à eux. Donc, voilà donc, c'est la fin donc de ce match et la fin donc de ce test. C'était donc FIFA 74 sur non, pardon, oui, 64 sur Nintendo 64, excusez-moi. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochains tests et de prochains matchs. Ici, Atlanta, dans l'état de Géorgie, à vous Paris. Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais bien.